Mercredi 27 septembre 2023, déclaré jour férié dans le calendrier grégorien, ne l'était pas pour le dirigeant principal du grand sous-centre de l'EM, le pasteur Oka Emolo, qui travaille sans répit. Composé de 6 secteurs avec un effectif de 1937 brebis qui adorent dans 70 assemblées de maisons, le 10 sous-centre a vu naître 3 nouvelles assemblées dans les secteurs de Selmay et à Saint-Vaon, respectivement dirigées par Fiacre Coablan et Yannick Emolo, qui porte le nombre des églises de maisons à 73. Au nom de l'amour, Après quelques conseils donnés aux dirigeants qui auront la responsabilité de porter les brebis et les âmes perdues dans ces assemblées, le pasteur Oka procède à l'imposition des mains en libérant de nombreuses bénédictions. Nous vous bénissons avec la capacité d'être des aides sur notre territoire. Nous bénissons avec la sagesse pour aimer vos dirigeants, pour aimer les brebis. Nous bénissons avec la capacité. Il y a des personnes si qui les dirigeants peuvent compter. Oh Seigneur, je te prie que tu les bénisses avec cette capacité, oh Seigneur, de mourir en moi, au moi, et de laisser l'œuvre de Dieu, la vie de Dieu couler en moi. Ils aient la foi pour poser sur toi. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel les mette en fuite. Qu'il soit permis. Oh Seigneur de la foi, qu'il soit fini, qu'il soit des hommes et des femmes de ta présence. Oh, qu'ils aiment ta présence. Qu'ils aiment ta présence. Qu'ils aiment ta présence. Qu'ils comptent sur toi, nuit et jour. Que ta main de grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, mon cœur est rempli de joie. De voir tous les enfants dans cette cour, parce que j'ai toujours souhaité qu'il y ait une assemblée là où je vis, parce que c'est Dieu qui est tout et en tout. Donc j'ai vu ce matin, en tout cas, beaucoup de personnes venir vers moi. Donc mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie. Parce que quand nous sommes sur la terre, que nous partons, c'est Dieu qui nous accueille. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc ce matin, vraiment aussi, ce qui a été parlé, ce que le pasteur a parlé, ça a saisi mon cœur. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Que nous puissions nous entendre. Parce que Dieu n'est pas dans les discussions, Dieu n'est pas dans les bruits. Quand il y a l'orgueil, en tout cas l'esprit est là et puis nous sommes là. Ce n'est pas dans la communion. C'est ce que la Bible dit. C'est une joie pour moi. Donc nous allons nous tenir main dans la main pour servir le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes là pour l'implantation de 2 assemblées dans le secteur Selmay. Et aujourd'hui, nous sommes à 10 assemblées de maisons. Dans 186 frères dans le secteur Selmay. Dans 150 brebis et 36 agneaux. Et aujourd'hui, c'est une grâce pour nous, c'est une grande faveur pour nous. Dieu nous a bénis avec 2 nouvelles assemblées. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Et nous proclamons que nous allons continuer la bataille jusqu'à ce que nous soyons. Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce jour qui voit la naissance d'une nouvelle assemblée de notre secteur, le secteur d'Assambon, qui est le plus jeune secteur du sous-centre de Grand Lem. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous passons à 4 assemblées. Et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour sa main et pour sa faveur qu'il a déployée en notre faveur. Donc, nous sommes infiniment reconnaissants. Avec cette nouvelle assemblée, pour nous, c'est l'ouverture d'un nouveau champ de conquête que nous avons bataillé pour avoir depuis un an, qui est le secteur des Frélec. Donc, cela nous permet aujourd'hui d'agrandir notre champ de conquête et de pouvoir toucher l'ensemble des territoires qui font compose notre secteur. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour cette grâce. Soyez bénis. Que ce vent d'implantation de maisons qui a soufflé à Grand Lem souffle également dans les autres champs de conquête de l'église de Yopougon.